Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. L'orthographe, leçon que. Julie, je m'interroge. La verse. Un arbre tremble sous le vent. Les volets claquent. Comme elle a plu, l'eau fait des flaques. La première question, observe les mots soulignés. Claque, comme. Flac. Quels sons ont-ils en commun? Le son en commun, c'est le son que. Clac, liac, comme, flac. Le son que. La deuxième question, quelles sont les différentes manières d'écrire le son que? Les différentes manières d'écrire le son que dans ce cas, il y a C devant une consonne, Q, U, qui l'ont U, C devant une voyelle, O, et QU. Trouve deux autres mots contenant le même son, c'est-à-dire le son Q. Alors, autre exemple, dire par exemple coq, table, c'est A, casquette, et ainsi de suite. Je manipule. Classe ces mots en deux colonnes. J'entends le son que. Je n'entends pas le son que. On va mettre 1 si on entend le son que. 2 si on n'entend pas le son que. Un canapé. C'est A. J'entends le son que. Une chose. Je n'entends pas le son que. Difficile. Je n'entends pas le son que. Une crêpe. J'entends le son que. C'est devant une consonne. Un lacet, je n'entends pas le son que. La course, j'entends le son que. Un kiwi, j'entends le son que. 40, j'entends le son que. Décédé, je n'entends pas le son que. Le phoque, j'entends le son que. La chorale, j'entends le son que. Un accès, j'entends le son que. Un accès. Il y a C devant une consonne. Le grand B trouve les mots contenant le son que qui correspondent à ces devinettes. Il y a trois devinettes. Pièce de la cuisine où l'on prépare à manger. C'est quoi? C'est quelle pièce? C'est la cuisine. On le met sur la tête pour conduire une moto. C'est quoi? C'est un casque. Je suis un animal qui saute. Je suis un kangourou ou bien un kangourou. Il y a le son que. Cuisine, il y a le son que. Casque, il y a le son que. Et kangourou, il y a le son que. Je retiens le plus sauve, le son que sécrète. C'est devant les voyelles A, O, U ou devant une consonne. Comme devant une voyelle, claquer devant une consonne. QU, qui l'ont U, la flaque qui l'équipe. Il faut aussi s'écrire qui l'ont à la fin d'un mot, comme le coq. Ou bien CH, l'orchestre. Ou bien avec A, le kilogramme, ou bien de C, un accord. Ce sont les manières d'écrire le son que. Je m'entraîne à la première mot, recopie ces phrases et entoure les lettres qui font le son que. La maîtresse pose des questions. Recopie et entoure, on va entourer. Dans ce cas, le canard ouvre son bec. Il faut entourer C devant un A. C devant une voyelle A se prononce que. Le canard ouvre son bec. Il faut entourer C.
Combien un koala? Combien c'est devant une voyelle? Un koala, c'est K, mesure-t-il? Combien un koala mesure-t-il? Les restes, CH, chantent d'une voix claire. C'est devant une consonne. Ces ciseaux coupent bien. Ces ciseaux coupent bien. C'est devant une voyelle O. On peut entourer seulement O. La deuxième, recopie complète ces mots avec C de C, CH. Tu peux t'aider d'un dictionnaire. Un sac. Faut ajouter C. D'accord, c'est deux C. Un orchestre, c'est CH. CH. Un lac. Un accordéon, c'est deux C. C et C. Une orchidée, CH. C et H. Troisièmement, recopier par l'entrée dans chaque liste. L'orchestre, il y a le son que. La chorale, il y a le son que. La chambre, non, il faut barrer chambre. Cuillère, une cellule, il faut barrer cellule. Quatrièmement, recopier complètement avec culon, culon U, OK. Il faut t'aider d'un dictionnaire. L'équipe, c'est QU. Kilon U. 5, c'est kilon. Un kipé, c'est K. Le moustique, c'est kilon U. Un kilomètre, c'est K. Un kiwi, c'est K. Maintenant, prenez la suite, le cahier des activités, l'orthographe, le son que. Première question, colorer en bleu les lettres qui font le son que. Alors, colorer en bleu, moi je fais celui seulement. Vous pouvez colorier. Le cercle, c'est QU. La chorale, c'est H. 40, QU. Une casserole, c'est A. Un koala, K. Récupérer, QU. Christine, CH. Deuxièmement, remets les syllabes dans l'ordre pour écrire le mot contenant le son K. Masque, masque. Après, il y a orchestre, orchestre. Kimono, crocodile, crocodile. La suite 3, complète chaque phrase avec un mot contenant le son que. J'ai un torticolis, j'ai mal au cou. J'ai mal au cou. Écrire ici cou. Enes a acheté un tomate au marché, un kilo. Le train entre en gare, les voyageurs attendent sur le quai. Quai. Le coureur est parti au signal. Son entraîneur mesure son temps avec son chronomètre. Avec son chronomètre. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo si vous avez aimé ma vidéo. S'abonner, laissez-moi des commentaires et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.